Harry Potter c'est fini et du coup là on va rejoindre Hyde Park. C'est cool, le chauffeur il t'a laissé à Kensington à Chelsea. Et du coup j'ai enlevé mes tresses, j'en avais marre. Voilà ce que ça. J'ai toujours la voix cassée, c'est pas grave. Le quartier où on est c'est super chic, c'est super riche. Ouais, c'est Chelsea. Ouais, c'est trop beau, c'est Chelsea du coup, pour ceux et celles qui connaissent. Donc on marche encore un peu parce que le parc est encore au moins je pense à 10 minutes, 15 minutes. Et on se retrouve dans le parc, j'espère qu'on va voir les écureuils. Bon, on a trouvé Hyde Park et du coup on se balade et on cherche les écureuils. Ouais. Les squirrels. Yes. C'est magnifique, c'est reposant. Nous on n'a pas des parcs comme ça chez nous, franchement. C'est des mini parcs pour les enfants, mais pas du tout comme ça pour tout le monde quoi. Vous pouvez tout faire ici, des sports, des pique-niques, lire, vous êtes tranquille. Camden, c'est trop beau, les boutiques sont juste folles. Il y a plein de choses pour manger, il y a des tatous juste là, enfin, c'est la folie. C'est vraiment le côté rue quoi, j'adore. Un peu décalé et tout, c'est ambiance rock quoi. Le quartier d'Amy Winehouse, enfin, franchement on adore. Pour l'instant, coup de cœur. Petite bière Camden, elle est trop bonne, on s'hydrate. On a pris ça Camden, 7 livres et c'est un mélange un peu de tout. Mix, poulet, frit, je sais pas ce qu'il y a, du bœuf ou du porc. Il y a du bœuf, il y a des haricots, il y a du riz cantonné et tout en dessous. C'est de la folie. Ça, franchement ça doit peser au moins 1 kg. Ouais, et ben on en a pris un pour deux, on a bien fait parce que là on va être blindé. On se régale. Ah ouais, tu tues. On s'est arrêté à une station de bus, mais ça faut pas tuer. On mange. Thank you.
Ah non. Elle veut pas. Arrête. Mais c'est pas possible celui-là. Du coup, on a fini au Green Park et on va aller voir le Buckingham Palace pour voir le palais du coup avec les gardes et tout. Il fait trop bon là, il est 9h30, on dirait franchement il est 7h quoi. Il fait trop bon, il fait trop bon là. Mais on a souffert la chaleur aujourd'hui. Apparemment chez nous dans le sud aussi il fait très très chaud. Mais là Londres en plus ils n'ont pas l'habitude d'avoir une chaleur comme ça. Il n'y a pas d'air en fait, c'est horrible. Bon, c'est vraiment une défaite pour les écureuils. On abandonne, ça fait le troisième parc qu'on fait. On a fait le St James Park, le Green Park. On n'a toujours pas trouvé, du coup on retentera demain pour voir. On est cuit, on cherche un métro désespérément. Mais on sait pas aussi. Voilà, voilà. On fait que marcher depuis tout à l'heure. Hello mes amours, on est rentré à l'hôtel. Il est 23h je crois à peu près. On est crevé parce qu'on a fait que marcher. On a cherché une station de métro un peu partout, il n'y en avait pas, enfin c'était un peu la cata. Du coup on est vraiment capote. On s'est arrêté à Superdrug parce que. Non pas à Superdrug. À Simply Food ou quelque chose comme ça parce que Superdrug c'était fermé et hier quand on a été il n'y avait pas de bouteille d'eau fraîche en fait, donc du coup on a pris 4 bouteilles d'eau en tout parce que franchement l'eau c'est vraiment ce qui manque et l'eau fraîche à Londres c'est super dur à trouver, donc là franchement on a fait le stock. On va se faire un petit thé aussi parce que j'ai toujours la voix cassée. On a pris ça du coup pour manger là ce soir parce qu'on avait un petit creux. Des fruits, c'était 2 pour 5 livres, donc voilà il y a un peu tout dedans. Là le chéri il est à la douche, je vais faire la même chose et on va manger les fruits tranquille et on va mettre le ventilo parce qu'il fait quand même super chaud. Franchement on s'attendait pas à ce qu'il fasse si chaud à Londres, ils avaient pas annoncé des températures aussi élevées. Donc voilà, sur ce vlog s'arrête ici. Je pense que ça va être coupé en plein fois parce qu'avec Harry Potter et tout ça je pense pas que je vais le faire en une vidéo cette journée, ce deuxième jour, sinon ça va être trop long. Et je pense que par contre demain ça sera un peu plus court, donc bref j'aviserai. Sur ce, bonne nuit, bonne soirée et on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Bisous mes amours.